quoi améliorer la situation. La générale en parlait depuis très longtemps. On a de la compagnie. Qui vous a autorisé à retirer votre casque? Pardon, mon capitaine. Piou 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 piou. Thank you.
été avec toi qu'avec moi. La carte pour retrouver Skywalker. La résistance ne se laissera pas intimider par vous. Elle est dans une unité WB. Si elle est sur Jakku, on la trouvera vite. Je vous laisse faire. D'où est-ce que tu viens? Dido, il s'intéresse à tes pièces. Mais juste pour cette nuit alors. Après tu t'en vas. Demain matin, tu t'en vas. Y a pas de quoi. Écoute-moi bien. Si tu fais exactement ce que je te dis, je peux te sortir de là. Quoi? Je viens te sauver. Je te propose de t'évader. Pourquoi est-ce que tu m'aides? Parce que c'est mon devoir. Tu cherches un pilote? Je cherche un pilote. Tu sais piloter un chasseur TIE? Je sais tout piloter. Bien, allons au hangar. Tu es chargé du prisonnier? Sympa! Quand tu en auras fini avec ce charmant prisonnier, il faut qu'on se voie. Attends, c'est la salle des serveurs. Et alors? On peut désactiver le système d'alarme depuis cette salle. Super. Tu t'étais jamais dit qu'un jour, on appuierait sur les boutons du finaliseur, hein? Grand moment de poussage de boutons, les gars. D'ailleurs, un déserteur, pardon, un déserteur. Ils essaient de s'enfuir. Ça au moins, on sera tranquille, pas vrai? Pas exactement, mais ils pourront pas appeler de renfort.
facile comme ça. On peut faire. Je vois pas ce qui doit être facile. C'est quoi ton problème? Et parle-moi fort. Ben, c'est plus facile que de forcer le passage en tirant. Il faut te détendre un peu. Chasseur Teilleux là-bas. Ok, comment on s'y prend? Mon plan se limitait à monter dans un chasseur Teilleux. Ok, ça va le faire. Enfin, je crois. Comment tu t'appelles? FN2187. FN, hein? Finn. Je vais t'appeler Finn. D'accord? Finn! J'aime bien ça! Dès qu'on sera débarrassé de ces câbles, on se tire d'ici! Il faut qu'on retourne sur Jakku. Je dois retrouver mon droïde. Non, non, non! On peut pas retourner sur Jakku! Ce droïde a en mémoire une carte conduisant à Luke Skywalker. Skywalker? Ça craint.
Je sais pas qui t'a perdu, mais tu peux encore le retrouver. Je vais t'emmener à Nima. Mais j'ai une petite course à faire avant ça. Tout d'abord, tu vas m'aider à ramasser de la ferraille. Unkar Plutt a tendance à être de plus en plus difficile en affaires. Sinon, je n'aurai rien pour me nourrir cette semaine, et je ne pourrai plus t'aider. Thank you.
peut-être que si je bricolais quelque chose, je pourrais atteindre ces pièces. C'est tout près. Peut-être que si je construisais quelque chose, je pourrais les atteindre. Je pense que je dois avoir les outils pour construire de quoi m'aider. Ça devrait suffire pour obtenir une ou deux portions auprès d'Unkarplut. Allons à l'avant-poste de Nima.
Montre-moi ce que tu as. Ces 5 pièces valent une demi-portion. Il y a une semaine, c'était une demi-portion pièce. Et le droïde? Le droïde n'est pas à vendre. Je suis prêt à le payer 60 portions. Viens, bébé 8. De l'eau! De l'eau! Oh. Partons d'ici. Puisque Unkar ne peut pas acheter le droïde, alors il veut me le voler, c'est ça? C'est ce qu'on va voir. Recule! Qu'est-ce que tu fais au juste? Je te donne un coup de main? Je t'ai rien demandé! On les a tous eus? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le blouson. Le droïde dit que tu l'as volé. C'était le blouson de Podamron. Il avait été capturé. Par le premier ordre! Je l'ai aidé à s'évader, mais notre chasseur a été abattu! Tu appartiens à la résistance. Exactement. BB-8 dit qu'il a une mission secrète. Il doit rejoindre votre base. Il paraît qu'il a une carte qui permet de localiser Luke Skywalker. Et tout le monde court après. Luke Skywalker. Allez, viens! On peut pas aller plus vite! Si! Avec ce quad jumper! Attention! Ah, je parle d'aller plus vite! Là! Un autre quad jumper! Mais comment on va faire pour monter à bord? Il est verrouillé! Je crois que j'ai une idée! Explosif préféré, repliez-vous! À toi, BB-8! Ce vaisseau. C'est un tas de ferraille. Le tas de ferraille fera l'affaire. Explosif, à couvert. Non. Bébé 8, accroche-toi. Les boucliers sont prêts. Je vais plonger. Reste en Razmot pour échapper à leur traceur. En Razmot, compris.
j'enlève le compresseur du circuit d'allumage. Commence à assurer. Que BB-8 possède une carte conduisant à Luke Skywalker. Oui, la résistance. Enfin, nous avons besoin de cette carte. Alors échappons au premier ordre et vite. On doit pas se faire repérer. Qui t'a appris à piloter? Personne. J'ai déjà piloté, mais j'ai jamais quitté la planète. Tu m'impressionnes. Tu vas devoir les semer. C'est parti. Ok, pourquoi? On vole trop haut. Ils vont nous repérer. On va entrer dans l'épave de ce destroyer stellaire. T'inquiète pas, me balader dans les épaves, c'est mon quotidien. Nous ne parviendrons pas à faire exploser ce moteur avec ces canons. Il nous faut une arme plus lourde, comme une torpille à protons. Mais j'y pense, ces TIE pourraient avoir les torpilles à protons dont nous avons besoin. Pas sûr que ce vieux tas de ferraille tienne le coup. Les pilotes de TIE du premier ordre sont les meilleurs que j'ai jamais vus. Nous devons faire attention. BB-8, tu tiens le coup ? C'est notre chance ! Ils sont juste devant nous ! Un souci? Non, non. Je suis pas sûr que le vaisseau passe, c'est tout. C'est tout?
va bien. Il appartient à la résistance. Donne-moi un coup de main, vite! Entre nous, j'ai jamais été dans la résistance, ok? Je veux juste échapper au premier ordre. Si tu nous dis où est la base, je te dépose au passage, d'accord? Alors elle est où, la base? Vas-y, bébé 8, dis-lui. Dans le système d'Illinium? Exactement, oui. Il faut que tu nous emmènes là-bas le plus vite possible. Préparez-vous à passer en vitesse lumière, direction le système d'Illinium. C'est le premier ordre. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas se laisser faire. Où avez-vous trouvé ce vaisseau? Me dites pas qu'un Raftar s'est échappé. Oh non, pas eux. Les soldats de la sécurité des Guaviens. Descendez et ne bougez pas avant que je vous le dise. Han Solo, on veut notre argent tout de suite. Tu crois que ça coûte rien de chasser le Raftar? Et le Kanji Club veut aussi récupérer son argent. Le W, là. Le premier ordre recherche un droïde qui ressemble à ça. Et deux fugitifs. Si on ferme les portes anti-souffle du couloir, les deux bandes vont se retrouver coincées. Pressentiment tout à coup. On n'aurait jamais dû faire ça. Tu crois? Libérer un autre Raftar? Trois Raftars, quatre Raftars, quelle différence!
retourner au Faucon, de préférence sans se faire dévorer. Les portes sont en verrouillage automatique en attendant qu'on se débarrasse de ce raftar. Je suis quasiment sûr d'avoir laissé un truc anti-raftar dans une de ces caisses. On avance. Il faut faire sortir ce raftar de la cage d'ascenseur. On a besoin de ça pour se débarrasser du raftar. Parfait. Envoyons-le sur ce tapis roulant et vite. C'est parti. Nous allons au Faucon. Trouvez un moyen de nous y rejoindre. Mais nous ne savons pas où nous sommes. À la bonne heure. On accumule une sacrée prime depuis plusieurs années. Je me demande à combien elle peut s'élever. Peut-être que libérer ces radars était une bonne chose. On en reparlera quand on aura rejoint le Faucon. Ce vaisseau n'est vraiment pas au nord. On va finir par se laisser. À moins qu'on ne se fasse manger par un radar d'abord. On dirait qu'il n'y a pas que des radars dans ce vaisseau. Un champ de force. Regarde les câbles. La source d'énergie est au-dessus de nous.
sont venus avec toute leur bande ou quoi? Récupéreront leur argent. Eh les jeunes, vous êtes toujours en vie? Ouais, on est en bas. Super, on nous occuper de ces champs de force. De confinement. Tu crois vraiment que ça va nous empêcher d'avancer?
est juste là. Le faucon, on y va! J'ai besoin que cette grue marche, mais on dirait qu'elle ne peut être activée que par un droïde. J'ai trouvé le faucon! On a réussi! Vous voyez cette grue? Je crois que BB-8 peut l'activer pour nous. Je parie que la fille pourra atteindre le levier. Où est-elle ? Je peux atteindre ce levier. Thank you.
au premier ordre que Han Solo a le droïde qu'ils veulent à bord du Faucon Millennium. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Par la grâce de votre enseignement, je ne me laisserai pas séduire. L'arme est prête et opérationnelle. Détruisons le pouvoir qui soutient la résistance. La République. Bien, allez superviser les préparatifs. Chercher, hein. Ce droïde doit rejoindre la base de la résistance le plus vite possible. Il a une carte pour retrouver Luke Skywalker. Vous voulez que je vous aide? Je vais vous aider. J'ai une amie qui saura où rapatrier le droïde. Maz est connu pour avoir ses têtes, alors laissez-moi parler. Et surtout, le plus important, évitez de regarder. Regardez quoi? Évitez.